הבית שלי, אין עכשיו הבית שלי. כשתגמר השיבה, תקבלי את הבית בחזרה. The year is 1991. As the Gulf War rages throughout the Middle East, in Israel a family loses one of its loved ones. As required by Jewish tradition, the family gathers in the home of the deceased to mourn for 7 days. As brothers and sisters are forced to endure each other day and night, intimacy becomes increasingly burdensome, and unsaid emotions finally bubble to the surface. אז אם לא תיתן לו תאבד רק אותי, גם את הכבוד הפזרה שלך תאבד. סקטור חלס. אתה קודם כל איך תביא אלה, אחר כך תדבר איתי על כבוד. אתה After her French film Pawn de Femme, Israeli actress Ronit Elkabetz went behind the camera for a second time with her brother Shlomi to bring us a new film showing the torment of a family against the backdrop of religious tradition. Une occasion pareille de se rencontrer comme ça la famille pendant si longtemps, des jours et des nuits comme ça ensemble, c'est un moment peut-être qu'ils ont vécu ensemble peut-être à l'enfance. C'est jamais pourrait être encore une rencontre si intime pareille s'il s'agissait par exemple d'une rencontre dans un événement de mariage ou d'une fête. Ça aurait été 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais jamais 7 jours et 7 nuits dormir ensemble dans le même endroit et avec des strictes très avec des règles très strictes et qui obligent absolument la famille de rester l'un avec l'autre et confronter l'un l'autre d'une manière tellement intime comme jamais quoi. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. À un moment donné les secrets ne résistent plus et voilà les choses comme ça arrive et toutes les choses qu'on entraîne pendant des années, les jalousies, les histoires, les sensibilités, les douleurs comme l'humour et le bonheur, tout, on partage tout ensemble. Et ça, ça peut arriver que dans un endroit ou un lieu ou un événement qui nous permet de traverser voilà une chose pareille. Le fait qu'on est assise l'un à côté de l'autre, collés l'un à l'autre par terre et avec ces règles qui nous obligent de ne pas ni changer les vêtements, ni prendre de douche, ni de se raser, ni prendre soin, que s'asseoir par terre l'un à côté de l'autre et même dormir dans le même lieu, dans le salon. À un moment donné, même si on fait semblant que tout va bien, là, la vérité, elle sort après, au bout d'un ou deux ou trois jours. Et c'est très, très fort, c'est très fort. Hailed by critics at Cannes Film Festival, 7 Days illustrates the undeniable expansion of Israeli cinema in the world, particularly since the success of the band's visit in 2007. This year, critics and the public have also been enthralled with Waltz with Bashir, an animated film on the First Lebanon War and the Sabra and Shatila Massacre, which is also competing at the Cannes Film Festival. With the film 7 Days, Ronit Elkabetz attempts to reach a diverse international audience while focusing on a very specific and unique subculture of Judaism. On s'en fout de la religion, mais la religion, la tradition plutôt. C'est pas la religion, c'est la tradition. Il y a une différence entre d'être hyper pratiquante ou bien traditionnelle. Parce que là, c'est-à-dire ce qu'on parle, c'est de la tradition juifs, marocains en Israël, juifs avant tout. Et je crois que les gens s'identifient absolument avec les gens, c'est-à-dire avec l'histoire, avec ce qui évoque entre les gens. Et voilà, ça veut dire que c'est une belle réussite pour nous d'avoir écrit d'un endroit très très intime de notre expérience personnelle et finalement toucher le monde d'une manière très universelle et ouverte comme ça, c'est une victoire. For now, Ronit Elkabetz's career is blossoming. The actress is now working on a new film by renowned French director André Tachini. It seems that for the rising Israeli actress, the adventure has only begun.